Salam alaikum, sakhir alaikum, habibna, les amis, la famille. Un nouveau numéro, un nouveau invité. L'invité est à Lyon, deux talents, deux classes, ça a fait ça spécial. Pour la première fois, Sadrina, NDG, Chiki Magali DJ, NDG spécial, je vais vous surprise. Maana, DJ, Sam. Salam alaikum, khoya. Alhamdulillah. Ça fait plaisir, merci beaucoup, khoya, de faire l'invitation, Chifna. Merci, khoya. Allah, il s'en va le faire, Amalak, nous voulons, khoya. Avec ça. Salam alaikum, li wesh ma Ramadan. Sana, bizar, alhamdulillah. Tu wahajt le bled? Tu wahajt. J'ai dit, chou familia, je suis. Ça fait plaisir. Bien passé. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbi, alhamdulillah. دي جيسم نقول لكم شكون دي جيسم ما كانش اللي ما يعرفش دي جيسم ما كانش اللي ما على باله شكون دي جيسم سواء هنا ولا اون اوروب غني عن التعريف انا العفسه اللي راه محيرتني علاش سم بوكو سو سيغنون لو سوبسودو سم باسكو كي بديت الموسيقى لي جون تاع فرنسا كيقولوا زعما موسيقى سم زعما حاجه فوق الموسيقى وي على سم مشات دي جيسم ريحتها وقعدت في دي جيسم صافي بليزير دي جيسم اليوم جانا بصح دي جي سم عنده صوالح بزاف جدد دي جي سم تقدر تحكي لنا واش راك مبريباري واش عندك واش ان شاء الله لو 30 جوان جي مون نوفيل البوم كي فا سورتيغ ان شاء الله دونك سي شورت افيك اون غرو ماجور ان فرانس كي سابيل يونيفرسال سا في بليزير فوالا دونك جي سيني ست اني او مو دو مارس دونك كوم كوا يا ترافاي كي باي ديبي توت سي زاني اون ترافاي اون انديبوندون دونك سيت اني اون جي سيني شي يونيفرسال افيك دي غروس كولابوراسيون لا انا ديجا سورتي دو سينجل واحد مع l'artiste Mathieu Stone, donc c'est deux gros, c'est deux grosses pointures de la musique en France, et un autre plus domaine rail avec Shabba Zawani avec qui je collabore tous les ans, et donc j'ai voulu faire un duo qui a jamais été fait, donc Shabba Zawani et Reda Taliani, le morceau s'appelle Hamouna, en deux semaines on a déjà fait plus d'1,5 million sur YouTube, donc voilà on a des bons retours pour l'album. Donc dans le nouvel album, il y a beaucoup d'exclus, beaucoup de nouveautés. Pour la première fois, je suis fier aussi d'avoir collaboré avec Mohamed Allawa. Ça fait plaisir. Donc il va être sur le nouvel album. On a fait un gros morceau, Inch'Allah. Moi aussi, je suis originaire de la Kabylie. Ça fait plaisir aussi. Voilà, donc ça me fait super plaisir de collaborer. D'accord. Après, il y a des artistes avec qui j'ai l'habitude de collaborer, comme Cheb Hussein, Bela Srir, Cheb Reda. Donc j'ai voulu mélanger toujours, j'ai voulu garder ce côté. Le rail. Voilà, le côté algérien aussi. Parce que moi j'ai beaucoup collaboré avec les chanteurs de rail. Donc montrer la culture, tout ce qui est rail, oriental, tout ça. Et toujours avec la musique qui cartonne en France, tout ce qui est hip-hop, R&B, tout ça, pour toujours ouvrir le public et s'élargir un peu plus. Ouais, ça fait plaisir. Ton premier succès c'était quoi? Et quelle année? Premier succès, c'est la première année où j'ai commencé à faire de la production. Donc c'était un morceau que j'ai commencé. Qui s'appelle DJ Souhel, on a fait une collaboration avec lui, avec Shabba Aqil Rahmoud. Voilà, donc c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Ouais, le morceau c'était International Flavor, mais c'est le refrain. Je j'ai mélangé avec Mokobé et un MC qui s'appelle Big Shake en France. Donc on a voulu garder ce côté africain, un peu rail et tout. Et on va dire que c'est mon premier vraiment gros titre qui a marché. Ouais, il a cartonné même. Hein. Voilà, et donc, bon, bien sûr, avec Cheb Aqil Rahmoud. C'était en 2012. D'accord. Et donc voilà, c'était le dernier clip de Cheb Aqil Rahmoud. Et voilà, donc. Il était même un certain humoriste. Boudère, exactement. C'est un humoriste français qui a fait un peu. C'est un ami à moi en même temps qui fait rire et tout. Il vient souvent d'Algérie, au Maroc et tout. Ouais. Voilà, on n'a pas par ça, on a voulu faire côté humour et côté en même temps danse. Et voilà, et puis je suis fier d'avoir collaboré avec lui aussi et qu'il repose en paix. Inch'Allah, Allah rahmou wa sallam. Allah rahmou wa sallam. Super. C'était ton premier succès. Voilà, après ça s'est enchaîné derrière. J'ai collaboré avec La Crime. Donc maintenant, La Crime qui est. On va dire pour moi qui fait partie des meilleurs rappeurs en France. C'est logique. Voilà, donc c'est un plaisir en même temps. Donc j'ai connu le personnage. C'est quelqu'un qui est très attaché à l'Algérie comme moi. Et donc on a collaboré. Quand je l'ai appelé et tout, ça s'est fait tout seul. Il m'a tout de suite dit oui. On a tourné le clip ici à Alger. Super. Voilà, avec Cheb Hussein toujours. Donc c'était la première collaboration. Ouais, ouais. Je pense que c'était Jardin DC, c'est ça? Ouais, on a fait des playbacks au Jardin DC, on a tourné un peu à Sidi Froge, on a tourné un peu sur la, en mer, on a tourné un peu à Sidi Yahya, on a tourné un peu carrément même dans Alger Centre.
Donc au début, c'était un peu difficile dans le tournage parce qu'il y avait des gens qui étaient là, qui nous reconnaissaient, on prenait des photos, mais bon, c'est le travail, c'est notre métier. Donc voilà, donc, j'ai vraiment voulu tourner ce morceau au pays pour montrer aussi que on est des Algériens, malgré qu'on habite en Europe, on est toujours attaché à notre pays et à nos terres. Quoi. C'est logique, oui. Là, ça se fait, c'est qu'il ne faut pas oublier que Wante ou Terim Viva. Mais voilà, les gérés, quoi. C'est ça. DJ Sam, les origines d'un DJ Sam, maintenant dans l'Algérie centre. Anazia du Chalaga. Yahibarak. Barak Fek, je suis né à Chalaga. Et j'ai grand, enfin, jusqu'à 2 ans, ma famille, on habitait à Albiar. Voilà, et à 2 ans, on est parti, mes parents ont décidé d'aller en France. Ouais. Donc, 2 ans, c'est pas moi qui ai choisi, quoi. Je suis la famille. On a atterri à Paris. Et ce qu'il y a, c'est que depuis l'âge de 2 ans, les Rahmanizer, Koulam, Hapto. Ça veut dire qu'ils disent safe. Même avant, on venait 2-3 fois. Je venais voir ma grand-mère, Mani. Pour t'en faire Kidji. Bien sûr, on te fera. Beaucoup plus, c'est la Kidji. Ramadan, c'est le Ramadan. Donc, du coup, c'est encore plus. Voilà, donc là, vu que c'est Ramadan, Taf et France, c'est pas la même ambiance. C'est logique. Et puis, en plus, comme là, je prépare une grosse tournée. Mais il fallait chez vous que je me dise en bas. Super, une grosse tournée, on peut. Ouais, bien sûr, je vais commencer là. Ouais, bien sûr, donc je commence. L'album sort le 30 juin. Inch'Allah. Donc on va avoir des dates à Oran, faire des dates en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en France, en Espagne. Donc on sera en pleine promo de l'album quoi, qui sortira Inch'Allah. Pour l'été, Inch'Allah. Il y a encore d'autres clips qui vont arriver, Inch'Allah. Inch'Allah. Attends, on a quelques exclusivités. Un clip avec. Attends, allez, jouer à 1 an, 2 ans. Ouais, donc déjà un clip avec Cheb Houssem, Inch'Allah. Inch'Allah. Marwa Loud. Donc ça, une artiste qui cartonne en France, qui a une voix magnifique. Elle est d'origine marocaine. Elle chante super bien. Ouais. Elle est produite par l'artiste. Et franchement, c'est un plaisir de travailler avec tous ces artistes. Tu retrouves un peu tout le monde. Il y a des gens comme Sultan avec qui j'ai travaillé l'année dernière. Ghetto Phénomène de Marseille. T'as les gens, t'as la Cinesia. T'as. Bon, je t'ai dit Amarwa. Je t'ai dit Mohamed Allawa. Ouais. C'est le dernier projet que tu es en train de faire. Ouais, qui est, ça y est, il est préparé. Ah, on attend juste la date officielle qui Inch'Allah. Est. Inch'Allah, le 30 juin, dans même pas 15 jours. Inch'Allah, Inch'Allah, j'espère bien. Inch'Allah, il va cartonner. Inch'Allah, il existe le kef le plus. Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. Chef l'émission, t'as l'âme, Rabel. Normalement, oui. Ouais, je regardais. Ah, je bats chouïa. Ouais, Alhamdulillah, ça fait plaisir. C'est un collègue qui est là au platine. Ouais, les Genos. En fait, il est fan de toi, hein. Incroyable, tout ce qui est. Tout, les gens qui font le même métier que moi, c'est. Je respecte, tu vois. Ouais. Pareil. Avec les DJ Sam, Rahou, invité, on a place à Rahou. Où est la place à Rahou? Ja, Mazel, Rahou, Ja, DJ Sam, ou Rahou, Bidemek, on cher et on os. Hein? Rahou, DJ Sam, voilà. Allah, salam, Aïcha. DJ Sam, qui m'a chuté l'émission, t'es là, on a le premier quiz. D'accord. Je te pose 5 questions. Ok. T'as le droit que pour dire 2 questions, je passe. 3 questions, c'est obligatoire. لازم Parce que l'artiste, on se connaît, Narfo, ça fait déjà 3-4 ans. D'accord. Mais ça, c'est. Quand je travaille avec quelqu'un, ouais. J'aime bien travailler, j'aime bien connaître la personne aussi. Ouais. Donc ça veut dire qu'on se connaissait, mais on se connaissait. On savait ce qu'il faisait. Ouais, qu'il y a Narfo, je suis ça, on n'a pas vraiment le temps de collaborer. Le contact, voilà, c'est-à-dire. Voilà, ouais, qu'il y a, il faisait son travail, moi je faisais le mien. Ouais. Delham, alhamdoulilah, ça s'est fait tout seul. Avec le temps, ouais. Et on va dire que c'est la personne vraiment avec qui on va dire qu'on se connaît depuis vraiment assez longtemps. Ouais, Adelham, on l'a fait, on a fait un bon morceau, il marche bien, il passe sur les télés et tout, la radio, donc je suis très content. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et surtout, c'est-à-dire, Karafto, j'ai vu le côté humain, la Smlech, tu vois. Ou les familles. Voilà, et surtout, c'est quelqu'un. J'aurais pu travailler avec lui il y a 2-3 ans, mais à Delwart, on va dire que c'est là où il est vraiment, là,
Inch'Allah, nous aiderons plus tard, Inch'Allah, il continue encore mieux. Inch'Allah. Mais il est de succès en succès. Pour le fait que je vais vous dire que l'album de Aïch Dédada, je suis encore plus honoré et ça me fait super plaisir. Super. Bravo, bravo. Deuxième question. Deuxième question. Aïch un titre. كنت خدمته من قبل كنت سنة فيه يدير ان تخي غون سوكسي ومن بعد فات اين اطيخ اسكو كاين ولا لا ان مورسو كي با يو دو جو تاتوندي كي او ميم شاش واي فات اين اطيخ شي الحمد لله بور لانستون سا مي با ريفي خويا الحمد لله Pour l'instant, j'espère que. Après, ça peut arriver. Tu peux croire qu'il y a des morceaux après, c'est le public qui joue, je crois. Tu vois ce que je veux dire ? Une tâche de l'être, ouais, le morceau, ouais, himchi, mais des fois, mais. D'accord. Tu vois, c'est le public qui joue. Toi, tu peux te dire, tac. La réponse, c'est qu'il y a le morceau, tu fais. Quand tu es en concert au Nasser René, ou c'est là où tu es le plus content. Parce que quand tu es DJ au début, tu fais des. Tu fais des remixes et tout. Ouais. Et c'est, tu mets des morceaux, tu fais chanter les gens. Mais quand c'est ton propre morceau, tu vois, c'est pas pareil. C'est MDD ou c'est le morceau. C'est-à-dire, les gens, ils chauffent. Par exemple, tu sors un album comme ça. Par exemple, le nouvel album, il y a 23 titres. Mais ça fait depuis le mois d'octobre, l'album. Encore plus. Quand t'es un artiste, tu dois connaître ça. Tu vois, quand t'es chanteur, mais moi, c'est-à-dire que je dois inviter des artistes, il faut les faire collaborer ensemble. Adak Andoulouak, Flacham Andouch, alors quoi. Voilà, ça veut dire que tu dois satisfaire tout le monde. C'est logique. Et après, tu as l'autre étape quand tu veux faire le clip. Ouais. Alors là, En fait, j'ai constaté une chose, qu'il y a plein de clips, par exemple, en collaboration, des artistes, des chanteurs Mabadan, qu'il y a un chanteur Kain, l'autre chanteur, il n'est pas présent. Ou le clip est tender, ou ouais, bien sûr, mais après ça dépend. Par exemple, moi ça m'arrive maintenant avec Zahrania, parce que Zahrania quand même, elle est assez âgée, tu vois. Tu peux pas la faire déplacer n'importe où, mais malgré tout elle chante toujours. Et moi je te dis la vérité, sur tous mes albums, c'est la première personne que j'appelle, parce que Keep Dit, c'est l'artiste qui m'a tout de suite tendu la main. Voilà, donc ça veut dire moi c'est la première personne, ouais. Après si elle veut pas, mais c'est la première personne que j'invite. Ouais. Et à chaque fois elle me dit oui, elle est là, et puis elle a une voix pour moi qui est un les concerts. Ah, tu vois. Ça, je le dis, c'est la reine du rail. C'est logique. Personnellement, Zahwania, je l'estime beaucoup. J'ai travaillé avec Zahwania. On a fait même la clôture du festival de rail. On a cartonné Zahwania Halima. Nous allons un petit coucou aussi à son pianiste, Rouya Boualem. On t'aime beaucoup, tu es toujours présent, soit ici ou là dans notre cœur. DJ Sam, troisième question, tu es prêt ? Je suis prêt. D'accord. Donne-moi un nom d'une personne que ton souhait de travailler avec lui ou avec elle. On va dire. Alors, dans la musique, tout ce qui est arabe et tout, on va dire Khaled. Ça sera un honneur de travailler avec Khaled. Inch'Allah, oui. Et on va dire dans tout ce qui est international. Dire Shakira, Beyoncé, un truc comme ça. Inch'Allah, pourquoi pas. Inch'Allah, Shakira, on dirait que vous avez ma question, vous avez non. Ou à la Kim, on a lancé le message, ou à la DJ Sam, la vérité, Rabbi, Madabina, Inch'Allah, prochainement, dis-nous une FSA à DJ Sam. Pourquoi pas, hein? Ah, pourquoi pas, après, t'as vu, c'est. Dans la vie, tu. Y a rien qui est impossible. Exactement. Il faut juste te donner des artistes américains comme Chris Brown, j'aime bien aussi, tu vois, Jay-Z. Tout ce qui est hip-hop américain, donc ça veut dire que moi je suis ouvert. Daddy Yankee dans le reggaeton, ça veut dire moi tant que tu écoutes la musique, tu vois, et que tu bouges la tête, ça, même si tu comprends pas, c'est ça. Quatrième question, la troisième question, DJ. Quatrième question, donne-moi un nom d'un artiste ou qu'il y a 1 million d'euros. Je veux travailler avec toi, Goulou. Désolé, Khoya Samah. Je passe, Khoya. Mais allez, il passe, c'est son droit. Donc, Khoya Samah répond à la trois questions. La quatrième, gars, je passe. On saute directement à la cinquième question. Cinquième question. Vas-y, je venais. Il est toujours prêt pour la canoire. Allez, non, je suis prêt. Oui, je suis là pour ça. Ouais, mon frère. Habit en sarsexem. Où je lisais, tu fais le mot, c'est toi. Qu'est-ce que tu as rapporté à la musique?
Ça, je pense que c'est pas à moi de répondre, c'est plus c'est au public. Après, moi, je sais que je suis quelqu'un qui est tous les ans, j'ai toujours envie de faire mieux que l'année d'avant. On va dire, je suis perfectionniste, ça veut dire que je peux rester un morceau, je peux rester 2, 3, 4 jours à bosser dessus. Tant qu'il n'est pas pour moi parfait, bah, je continue à travailler dessus. S'il faut refaire, on refait. Maintenant, je pense que j'ai peut-être apporté. Pour ma part, c'est peut-être faire connaître notre musique à nous d'ici, ouais, à l'étranger un peu plus. Et pour moi, c'est un plaisir et un honneur parce que dans la musique arabe, on va dire Raï, tout ce qui est Kabyle, Chewy, ce que tu veux, on a tellement de bons artistes qui sont peut-être inconnus internationalement parlant, mais qui ont du talent. C'est comme, c'est tu vois, il y a des gens, ils ont du talent, et à un moment donné, on est tous partis de rien. C'est après, vrai. C'est le travail. Ouais. Donc, ça veut dire que moi, si je peux permettre par rapport à maintenant, j'ai un peu plus de notoriété qu'avant, mais il y a 3-4 ans, frère, moi, personne ne me connaissait, tu vois. J'ai commencé dans petit à petit. Donc, ouais, je suis monté d'étage en étage. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, tu vois, c'est, si on m'aurait dit peut-être il y a 5-6 ans, tu vas collaborer avec tel artiste ou tel artiste, bah, j'ai travaillé, alhamdoulilah. Donc, alhamdoulilah, voilà. Bravo. Donc DJ Sam, petit à petit, l'oiseau fait son nid, a une règle qui s'appelle la règle des 3P, patience, prudence et persévérance. C'est la règle, c'est la clé. C'est la clé d'être à la réussite. Ah, le succès, après, comme je t'ai dit, c'est le public, c'est lui qui juge. Bravo. Voilà, DJ Sam répondant à la 4 questions, intelligemment. La cinquième, plutôt la. Oui, la cinquième question à laquelle je passe. Bien, donc on va une autre, 16 sur 20. دي جي سم اليوم جانا ما جاناش بيديه فارغين ما جاناش بلاطاي دي جي سم اليوم جانا دي جي لانس Le fait que DJ Sam il est en train de bosser, Mefchelch, toujours un douche dit, toujours les idées un pas en avant, c'est bien. On a rien, c'est bien. Okay. Là, personnellement, je suis content. Merci. Je suis content pour toi aussi. C'est un peu le frère. DJ Sam, vous êtes normalement moi à Ramadan, on dit d'autres clips. Inch'Allah. Regarde les autres, moi, les pays. Le problème, quand que, si je t'exige tout. C'est limité, croyant. Il y a de ouais, mais j'aime bien donner un peu, tu ouais, vois, de. J'aime bien un peu de suspense. Ouais. En tout cas, là, une chose est sûre, c'est que ça sera. Il y aura du soleil. Oui, c'est le Maghreb, le grand Maghreb. Soit l'Algérie, soit le Maroc. Fais-la. Ah, ouais. Assiste, fais-la. Inch'Allah, j'espère, Inch'Allah, j'espère que ça va cartonner. En tout cas, fais-la, c'est tout ce que je peux te dire. Au fait, qu'il y a une haja. 99% c'est les DJ, les clips, ils ont le jet ski, ils le soleil, ils barbecue, la joie, etc. C'est vrai, non? Bah, regarde, je t'explique. L'album, il est sorti le 30 juin. D'accord. En plein 3 jours, en début de l'été. Ouais.
Oui. La chaleur, elle est horrible. Voilà, Sahara ou Gaa, tu vas au bar, tu vas en famille, tu vas t'amuser. Quand tu vois un clip, la pluie, il fait froid. Moral zéro, quoi, toute l'année, tu as pour payer des vacances. Exactement. Donc, on est là pour rendre un peu de joie aux gens, tu vois. Super. Donc, j'essaie, par exemple, envie de sourire, t'amuser, t'éclater. Et en général, on essaie de faire des chansons qui font, qui marchent tout l'été. À chaque fois, à la rentrée, au mois de septembre ou octobre, qui te met à dire que le safe, tu vois. Entre là, j'ai passé avec mes amis, avec mes parents, avec ma famille. Ça fait plaisir. Voilà. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on travaille, frère, pour donner de la joie aux gens. Oh, après, t'as vu, comme je t'ai dit, on s'est pas fait tout seul. Et c'est pour ça que moi, je sais que maintenant en Algérie, j'ai un grand public. Et je voulais remercier aussi le public algérien qui me soutient depuis toutes ces années. Ça fait plaisir, que ce soit ici, au Maroc, en Tunisie, en France, un peu partout dans le monde. Et je les remercie parce qu'ils sont toujours derrière moi. Et franchement, bah, t'es comme ça, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y a un artiste. Il choisit directement le public là où il veut le comme ça, ou même le public, ou bien dit, ça fait plaisir, bien sûr que ça fait plaisir. Le but de l'artiste, en fait, c'est ça. Le thermomètre, c'est l'artiste, est-ce que Rahounet ou là, non, c'est le public. Ben, c'est ça, regarde, t'as vu, moi, un artiste, si on va dire que quand quelqu'un il te demande pas de photos, il te demande, ne serait-ce qu'il vient, il te dit merci, j'aime ce que tu fais et tout. C'est toujours valorisant pour toi, tu vois, donc après c'est le métier, tu es obligé, si ces gens-là, tu vas prendre 5 minutes, tu vas parler avec lui, tu prends une photo et tout, on va dire que tu lui rends ce qu'il te donne déjà, parce que n'oublie pas, Haja, nous les artistes, s'il n'y a pas de public, mais qu'est-ce que je crois, ouais. Donc c'est ça, c'est le public, on va dire c'est le public qui fait l'artiste, et t'as la règle, t'as pas constaté une chose, que le public algérien, dans le monde entier, dans la pote algérienne, tu vois, c'est pas dire que. Et Haboui, en plus, quand ils ont des artistes qu'ils aiment vraiment, ils t'en ont, tu vois. C'est-à-dire, ils te soutiennent pas à moitié. Voilà, il fait écouter à sa femme, à son frère, à ses amis, tout. C'est-à-dire, il te soutient du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est honorable pour nous. Allez, et bien, le public, 40 millions d'Algériens, ils devront ils devront télécommander, comme les artistes, j'espère bien, Inch'Allah. Et bien voilà, on a un deuxième jeu, un deuxième quiz. Vas-y. Les 5 morceaux. Ok. Soit tu mets le nom de l'artiste ou le titre de la chanson. Ok. Et bien, les Genos. DJ Sam, avec Billy, c'est le DJ le plus petit à l'échelle nationale. Ah là. Où est-ce que c'est Flamand Gaa? C'est un des Flamands. 21 ans. C'est bien. Ouais. Vaut mieux qu'il commence avec ça, oui, là, Inch'Allah. Ça fait plaisir, oui. Allez, lance, chef, lance. Remix ça. La madé, j'ai quelque chose remix pas. Ah bien, mais ouais, c'est à dire que déjà la prod, ouais. C'est pas, ça a été à la base, c'est une instru de africaine, nigériane. C'est l'original, c'est Arenoya, Arenoya. Mais ça, je crois que c'est un, il est pas d'Oran le groupe, non? En tout cas là, le Mouharan. Ouais, mais j'ai oublié le nom. Mais la musique, je la connais. En tout cas, je sais que c'est un remix. C'est tout, Allah. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tiu-tiu, ça a changé. Ok, d'accord. Le premier. Ça a changé. Lance deuxième chanson, cher. Vas-y. Allah yarhamou Cheb Hasni. Bravo. Bravo. Donc, DJ Sam. وحده جابها وحده راطها مره واه مره ليله هبل كاع الوليات وكاع الرجاله هاي لونس تروازيام كوي سعد المجرد شكون؟ سعد المجرد برافو جايبها زوج جابهم وحده ليله لونس كاتخيام Thank you.
هذا خونا جميل. جميل ما نعرفوش. واي جميل. بعد جري voir ce qu'il fait إن شاء الله. Cinquième chanson. Shamami Sting. Shamami إيه؟ C'est Sting. Shamami Sting. What is Sahara je pense que c'est. C'est un magnifique morceau d'ailleurs. Desert Rose. Magnifique morceau. Super. Moi d'aller. Ouais, tu vois, ça c'est des artistes qu'on fait découvrir le rail internationalement en faisant des featuring avec des artistes comme Sting, comme a fait Khaled aussi. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Si on peut faire connaître notre culture à l'échelle mondiale. Inch'Allah. Moi quand je vais par exemple, je joue dans un pays comme il n'y a pas longtemps, j'ai joué en Thaïlande. Tu mets Khaled, c'est la vie. Ça fait plaisir. Ouais. En fait, je fais deux vidéos. Je fais cette vidéo avec la Thaïlande. J'étais très content pour toi. Ça fait plaisir. C'est ta première fois. Non, je vais tous les ans en Thaïlande. C'est la troisième fois. Ça fait plaisir. Ou je fais une autre vidéo. C'est un chanteur arabe. Moi, c'était Reda Taliani, je pense. Oui. Fais la Thaïlande aussi. Ouais, parce qu'on a fait. Bah voilà, justement, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que. D'année en année, il y a beaucoup de. La Thaïlande, il y a beaucoup de la communauté maghrébine qui est aux vacances. Donc ça veut dire, Amara, tu vois, il y avait 4000 personnes. Là, Ibarak. Et franchement, c'était. Moi, je me suis cru en Algérie, quoi. C'était magnifique, tu vois. Tu vois les gens, ils chantent et tout. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. On fait de la musique pour faire connaître, bien sûr, pour faire de toutes sortes de musique. Et quand tu arrives à faire connaître la musique de ton pays à l'échelle internationale, ah, t'es encore plus content. Oui, c'est une fierté aussi. Oui, exactement. C'est une fierté, mon frère. Maintenant, les amis, la famille, habite en Zidane Chitsem, malheureusement, le Wurzma Kfaina, je l'ai coupé les bidets, Yanni Haya. Sam Sahbi. Baraklof. Laïsen Makhouya. Akchouf le Hek, le Sehetek. Après la Kalima Akhira. Bah, je voulais vous dire Saharab Dankom, ou surtout Saharaïdkom. Merci à tout le public algérien, merci à Sahbé qui m'a reçu aujourd'hui, merci DJ Nous, merci à toute la production. Et voilà, 30 juin, Libre comme l'air, nouvel album dans les bacs, Skol Chad Jazairi qui me soutient depuis toutes ces années. Et voilà, surtout occupez-vous bien de vos familles, profitez surtout le jour de l'Aïd ou la prochaine Shabbat. Maintenant les amis, la famille, le lien on raconte sur www.radiofmalgerien.com, c'est notre page fan. Les ajouts des GSM, ils disent jamais partager. Les ajouts aussi, ils disent jamais partager. Les marques de la chaîne, c'est un show. Les skills qu'on farroda. Habibna, chaque début a une fin. L'écoute du bidet, y'a ni haya. Malina, rien ne vous le mot à l'écoute. Soyez présents, nombreux et nombreuses. On a un numéro de Jéina Ramjain. Au revoir.